Le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire expliquant l'enracinement de sa communauté dans la société ivoirienne. Docteur Koury Joseph indique que sur les 16 millions de personnes qui constituent la diaspora libanaise, environ 5 millions vivent en Côte d'Ivoire. Elles sont venues par vagues successives depuis la période précoloniale pour former l'actuelle plus forte communauté étrangère. En réponse aux reproches selon lesquels le Libanais de Côte d'Ivoire habiterait que les quartiers huppés, l'invité de Fraternité Matin explique que sa communauté est présente sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, notamment dans les localités à forte potentialité pour faire prospérer ses activités. Sur la question du rare, voire impossible mariage de la Libanaise avec l'Ivoirien, Dr Koury précise que ce n'est pas l'expression d'un racisme, mais plutôt les effets de la culture libanaise. C'est une question de tradition qui existe dans toutes les communautés. Il faut qu'il se marie d'abord avec une parente ou bien une fille de son village. Et par la suite, c'est pas une fille de son village, de sa région. Il faut qu'ils soient, s'ils sont de nationalité chrétienne, il faut que ça soit chrétien. S'ils sont de nationalité musulmane, il faut que ça soit musulman. C'est une éducation qui date depuis longtemps, mais qui est en train de se modifier. L'espoir d'une forte imbrication entre Libanais et Ivoiriens est permis, surtout en ce qui concerne le mariage, avance également chercheurs et amis, bien introduits dans la civilisation libanaise.